Salut à tous, c'est Lui, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la toute nouvelle voiture, une voiture qui est ma foi incroyable, une voiture magnifique, et bien oui, c'est la 10F, mais pas la 10F, pas n'importe laquelle, et oui, celle qu'on peut tout simplement avoir chez Beniz, puisque on a eu des nouveautés, et celle-ci les gars, et bien on la peut la prendre chez Beniz. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est pas beau, on est chez Beniz actuellement, on va dans stock. Et voici le tout nouveau véhicule, donc c'est la 10F, mais c'est une 10F énorme, vous allez voir, elle est énorme. Donc 1 675 000, elle est quand même assez chère, je peux vous montrer, elle est quand même assez chère. Mais on va aller custom ça, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, juste 1 675 on est déjà assez mouillé, mais là on va encore devoir changer forcément pas mal de choses dessus. Alors, transformation Beniz qui nous coûte à 575 000. Ouais. Ça fait mal, ouais. Ça fait mal. Clairement, ça fait mal. On est déjà à 2 millions et quelques. Et honnêtement, on n'a pas fini. Alors, c'est vrai que de base, elle est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment belle. Mais vous allez voir que là, on a des pare-chocs un peu plus hard, quoi. C'est vraiment des pare-chocs vraiment bien. Ultra, genre gros. Alors attendez, hop, on va mettre super brut, carbone ou super brut. Je vais mettre un carbone, je pense. Allez, carbone 2. Ok, carbone 2. Diffuseur arrière. On a diffuseur retiré. Alors attendez, je vais accélérer. Ok. Comme ça, vous voyez un peu les pots. On a pas mal de trucs en vrai. Ah ouais. Celui-là, on les avait déjà, mais celui-là, on l'a pas. Celui-là, on l'a pas, et je pense que je vais prendre celui-ci. Ah ouais, ça fait abuser. En fait, ça fait bien sans... Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre dessus, mais c'est pas... C'est pas non plus... Non, non. Parce que en vrai, celui-là, il est bien, mais ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Ça fait un peu bizarre. Alors, moustache, qu'est-ce qu'on a? On a des pas mal. Bon, après, forcément, là, les moustaches x2, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. Moteur niveau 4, échappement. Alors, qu'est-ce qu'on a en échappement? On va encore accélérer. On a des beaux trucs. De base, ils sont comme ça. Je pense que je vais laisser de base, mais plus mettre. Genre, j'aime bien ceux-là comme ça. En titane, c'est pas mal, je trouve. Alors cela, je trouve très très beau. Turbo titane, c'est pas mal. Explosif, non. Calandre. Oh. On a radiateur exposé et 10F. De base, elle est comme ça. Mais honnêtement, on est d'accord que de base, c'est largement meilleur. Il y a rien à dire. Honnêtement, de base, de série, quoi. On va mettre de série. Visière de... Ouais, on va mettre teinte. Capot. Attache capot. Doré, bleu ou attache capot normal. Attache capot normal. Capot. Alors, qu'est-ce qu'on a en capot? On a pas mal de trucs. Après, moi, je suis sur du carbone de base. Hein. Je suis sur du carbone, donc je pense que... J'aime bien celui-là, je vais peut-être mettre celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là, après il y a carbone comme ça. J'aime bien. Moi, je vais mettre lui, j'aime bien. Vu qu'on est, parti sur un délire carbone, on va rester dessus. Alors, tableau de bord, tressé, velours. Putain. On met du velours. Portière velours. Siège. Ah ouais, les sièges, t'as pas mal de trucs. On va mettre cela en carbone, encore une fois. Volant. Pro, couleur de l'éclairage. Ouais, jaune j'aime bien. Jaune racine, j'aime bien. Là, ça fait un petit côté sympathique que j'aime beaucoup. Alors ici, je vais partir sur ça. Ok. Motif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme motif? C'est vrai que sur la 10F, les motifs sont pas ouf. Bande blanche.
J'aime bien ça, je vais mettre celle-là, c'est un peu discret, ça fait un petit rappel, j'aime beaucoup. Par contre, les jantes sont shitées, hein. Rétroviseur. Alors, rétroviseur, on va mettre carbone aussi. Wow, c'est quoi le rétroviseur là? What the fuck? Je vais mettre cela. Plaque, on s'en fout. Peinture. Alors, ça va être important. Quelle couleur je vais mettre sur le véhicule? Vous allez me dire, mais une quoi? Tu vas mettre quoi comme couleur dessus? Machin, machin. Et ben, je vais partir sur une couleur assez basique. Non, pas du jaune racing, c'est un peu dégueulasse. Je vais partir, je pense que je vais partir. Parce que de base, j'avais mis, il me semble que dans la 10F normale, j'avais mis du bleu ultra. J'aimais beaucoup. Là, je vais partir sur un petit. En vrai, je pense que je vais partir sur un rouge. Alors, lequel, par contre, je sais pas exactement. Torino. Non, non. Je pense partir sur un rouge Torino, en vrai. Formula, j'aime bien aussi, hein. Ouais, Torino, j'aime bien Torino. Torino, c'est pas mal. Couleur secondaire, pareil. Alors, couleur secondaire, on peut peut-être mettre un autre truc. Un petit blanc. Non, blanc, ça le fait pas trop. Petit jaune, peut-être. Si je mets du jaune racing, ça fait quoi? Non, ça le fait pas. Ça le fait pas trop. On va mettre pas du rouge aussi, je pense, un rouge Torino. Ok. Couleur finition. L'intérieur, on va le mettre en blanc. Voilà. Toi. Antenne GT. Toi. Bah, je pense qu'on va pas trop changer ici. Peut-être mettre ça. On va pas la vendre quand même. Oh, les panneaux. Panneaux, est-ce que ça le fait en couleur. Carbone, ah, carbone, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. Les ailes, pareil, on va mettre en carbone. On va mettre, je pense, même les GT carbone. Ouais. Bon, on est parti sur un délire carbone, hein, honnêtement. Après, on a les ailerons. Je pense que les ailerons, on va partir aussi sur celui-là. Après, on a celui-là, mais bon. Honnêtement. Ouais. Je préfère quand même celui-là. Pare-soleil. Ouais, ça c'est pas mal, j'aime bien. Suspension de course, transmission de course. Turbo, on le met. Roue, on va garder celle-ci en vrai. Peut-être mettre une fumée de pneu rouge. Et les vitres en noir. Et bien voilà la customisation de la toute nouvelle voiture qui est pour ma part assez cheatée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne dehors. Mais honnêtement, elle est ultra cheatée. Voilà, je kiffe. Il est 13h en plus dans le jeu. Waouh. Wow. En fait, elle est large. Je trouve qu'elle est très large. Et ça, c'est sympathique. Tu vois, quand le véhicule est large comme ça, j'aime bien. Surtout, capitaine, il n'aura pas m'appeler à chaque fois. Bon, au niveau de la tenue de route, bon, ça reste quand même du classique, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus quelque chose de ouf ouf. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'était la customisation de la 10F. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez une note sur 10 pour ma customisation. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et voilà, sur ce, ciao ciao.